se retrouver là, à l'écologerie, c'est un petit peu le symbole de Besançon, finalement. Hein. L'Orlo, ça va avec Besançon, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Il y en a peut-être d'autres ailleurs d'école d'horlogerie, mais celle-là, elle est unique. On ne nous lâchait pas avant d'avoir un véritable bagage. On devient un peu un maniaque de la finition, un peu un maniaque du bienfait. On y a laissé de sa jeunesse, on y a laissé de son souffle, on y a laissé de son attention, on y a laissé de sa concentration, on y a laissé de sa respiration. Travailler en apnée, la respiration, ça fait bouger. On n'a pas le droit de bouger. Quand vous avez un pivot qui fait 8 centièmes, c'est un cheveu, ça fait 5 centièmes en moyenne. C'est tout à fait exigeant. Mais enfin, il faut aimer. Et quand on a aimé ça dans sa jeunesse, on ne lâche pas. On y a mis trop de soi-même. On se forme horloger, on aime l'horlogerie, on meurt horloger. J'ai tout dit, là.